Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 159e épisode de notre Let's Play Station Heroes Co-op sur Mimas. Et aujourd'hui, après avoir vérifié nos radiateurs, on va regarder ce qui se passe au niveau de la prod énergétique. Elle est en haute. 3 kilojoules, quasiment. Enfin, je refroidis de 3 kilojoules. Donc bien aligné, ça peut même fonctionner le jour. Par contre, dès que le soleil va bouger un tout petit peu, et qui va taper dessus, on sera à moins 6. C'est quel dispositif tu parlais, Nanak? C'est un radiateur, là. C'est le nouveau truc là qu'ils viennent de faire. Là. Je sais pas si ça s'appelle pas un radiateur, mais... C'est un Large Extendable Radiator, c'est un radiateur. Un radiateur large, voilà. C'est pas nouveau, ça date. Ce qu'ils ont rajouté, c'est les radiateurs médium. Celui-là, il a toujours existé, mais que pour la flotte. Les médiums, ils existent en version liquide et version pas liquide. Elru, tu es où? Je suis... Vers ton radiateur. À côté de mon radiateur. Tiens, regarde, je vais te déposer un tuyau. Ah, je peux le mettre, du coup, celle-là. C'est où? Je vois pas. Là, je le posais, j'ai vu que... Pour moi, tu n'existes pas. Mais ouais, c'est là où il en manque un. Ah, je n'existe pas, je suis devant toi, pourtant. Ça, c'est la meilleure, ça. Tout à l'heure, Sabdam, il avait Elru en gros plan tout le temps, et maintenant, on voit plus Sabdam. Je suis le ghost. Sabdam, t'as des problèmes. Il va falloir réinstaller le jeu. Merci, oh, Sabdam. Punaise. Et salut, Jérémode. Salut. Par contre, là, c'est bizarre, je continue de radier. Oui, mais là, t'es en positif. Oui, mais là, le soleil s'est décalé. T'es déployé, là, ou pas? Oui. Oui, mais t'es plus en face du soleil, c'est peut-être pour ça, non? Oui, mais là, il s'est décalé, le soleil. Donc, je devrais être à... Là, il est à 12 degrés. C'est pas parce que les degrés, tuyaux n'étaient pas connectés avant? Ah non, ça y est, ça baisse, regarde. 802, là. Et comme on passe un palier. C'est pas parce que les tuyaux étaient pas connectés avant? Non, ça... Les radiations s'affichaient déjà tout à l'heure. En fait, le deuxième tuyau, il doit pas servir à grand-chose. Oui, mais ça doit... Ah, d'accord, ok. Parce que je pensais que ça dépendait surtout de la température du liquide. Non, pas du tout. C'est vraiment les joules transmis, donc peu importe la température. Tant qu'il y a de l'énergie qui existe, elle peut être... pour le moment, justement, c'est pas du tout lié à la température. Ok. Pour le moment, c'est absolument pas lié à la température, ce qui fait que du coup, on peut chauffer très très fort. D'ailleurs, c'est ce que j'ai commencé à faire sur Vulcain avec mon médium radiateur, que j'ai 6 kiloKelvin dans mes gaz et je suis en train de les faire chauffer au soleil. Donc là, on est... Il y a Causareville qui a publié un épisode en anglais où il fait ça aussi. Ouais, avec 3 gros radiateurs, il arrive à faire marcher son four. Bah avec ceux-là, justement, mais par contre, il le fait dans une pièce... Ah, ça y est, là, on est trop près. Il le fait dans une pièce hermétique. Et du coup... du coup, il a fait cramer des trucs parce qu'il a chauffé sa pièce beaucoup trop fort. Oui. Donc là, je devrais être à 131. Et l'énergie est repartie, c'est bon. Alors, le SAS a un bouton à l'intérieur, ça y est. Maintenant, je vais réparer le bouton à l'extérieur. Donc ici c'est toujours 30 joules, ici c'est toujours 135. Et par contre là c'est bizarre lui.
ça va faire 144. Ah voilà. On fait quoi? Eh bien, tiens, je vois un... je t'ai pas de corps. C'est vrai? D'accord. Ouais. Par contre, toi, t'as toujours une combi bleue. C'est bizarre. Ah oui. T'as gardé l'autre combi, finalement. Non, mais dans mon sac, elle est verte. Qu'est-ce qu'on fait, Jérémy? On s'occupe, du coup, des nouvelles... la thermodynamique, l'update de thermodynamique, pour voir que notre circuit de refroidissement, on pourrait l'améliorer déjà avec des radiateurs comme ceci. Des là, c'est des... Les radiateurs d'origine sont des radiateurs à convection. Nouveau modèle de radiateur, c'est les radiateurs à radiation, pas à convection. Qui serait beaucoup plus efficace déjà que cela. 4 fois et demi plus efficace. C'est ce que je vois, ouais. Et puis après... Pourquoi tu le repeins? J'ai pas repeint. Non, ça, c'est Sabdam qui fait le fantôme Sabdam qui ah, le repeint. Ah, d'accord, le fantôme Sabdam, d'accord. Ça, c'est encore plus efficace, puisque on est à 2000... presque 3000 kilojoules, donc 100... Ouais. Ça, ça correspond à peu près à 100 radiateurs comme ça. Ouh, c'est énorme. Donc, à peu près à une vingtaine... c'est ça, ouais, 22 radiateurs non 22 radiateurs qu'on aura changé, quoi. Ah, c'est pas automatisable, okay. Ça, par contre. Si, d'accord. Si, c'est automatisable. T'as la data devant. Ah oui, je l'avais pas vu, la data devant, d'accord. Ok. Donc, en gros, tu peux faire en sorte que ça fuit le soleil, en fait. Tu peux, ouais, tu mets un... Je sais plus ce que ça a comme data, d'ailleurs. De... Il y a un setting horizontal du 7, mais ouais, il faut récupérer un capteur solaire. Ah oui, d'accord, donc ça s'automatise vraiment comme un panneau solaire, en fait. Ouais, okay. Ouais. Ah, sauf que moi, je vois LRU aussi en bleu. Et le dos en blanc. Ouais, moi aussi je me vois en blanc, c'est bizarre. Moi je vois le dos en violet, mais je vois pas son corps. Les radiateurs au sol, on les retire, on les échange, qu'est-ce qu'on fait? On les remplace par la nouvelle version comme celui-là. Alors il est où? Et tu veux en mettre... Ah, il y en a des plus petits comme ça? Non, en fait, les radiateurs existants, on va pas les bainer. Quand tu les enlèves, t'as le pipe liquid radiator. Qui est. Okay. Il y a deux variantes maintenant. D'accord. Va bainer. Ah non, on va pas bainer. Donc, remplaçage de radiateur. Ça se stack par combien? Par 10? Par 10, ouais. Ouf. Sabdam, t'es dans le coin? Oui, je suis là. Vous m'avez entendu? Oui. Ouais. Mais hein, on te voit toujours pas. Ouais, c'est pénible. Enfin, moi, je te vois pas. Non, mais moi, je sais, vous me voyez pas. Je vous vois sur le chat. C'est le mode fantôme. C'est ouais. Ah oui, je vois les radiateurs disparaître, mais je vois personne autour. C'est marrant. Marrant. Moi, je dirais inquiétant, plutôt. Ça change le design, hein. Ouais, vraiment. Faudra peut-être penser une couleur différente, hein, pour... Bah, le truc, c'est sympa. Que... C'est un truc sympa. On dirait des néons, en fait, du coup. Tu sais, des écrans. Si tu les mets un peu en l'air, tu verras qu'ils ont une forme... Oui, ils ont une forme hexagonale. Ouais. Et du coup, on les a posés à un endroit qui correspond pas vraiment à l'endroit où ça devrait être posé. Mais bah, à l'époque, c'était...
C'est moi ou il y en a deux qui ont disparu là? Attends, j'en ai posé un. Je pense que je l'ai posé au même endroit que toi. Ah oui, il y en a un que j'ai posé au même endroit que toi. Parce que j'en ai. Il y a un endroit où tu me l'as piqué. Alors celui-là, je le repose. Non. En train de dire qu'il y a un endroit où j'en ai. J'en ai deux. J'en ai deux à poser, là, je les remets. Non, il y en a un, je l'ai retrouvé, mais l'autre. Aucune idée. Là, j'ai retiré tout ce que j'avais. T'en as encore un sur toi ou pas du tout? Non, je suis en train d'enlever pour voir. Est-ce que c'est pas sur cette ligne-là que j'étais en train de faire? J'enlève sur la deuxième ligne, hein, derrière toi. Comment ça se fait que j'en ai un de plus? Ah bah c'est ça. C'est Sabdam qu'on a un de plus. C'est quoi ce bug? Il y a eu... Il est où le manquant? Attention, je remets là, Elru. Attention, ne me fais rien avec ce cas, je vais poser juste... Ah bah attends, je suis en train d'en mettre ça. Voilà. Bah pose-le, ouais. Vas-y. C'est... Ok. Là j'en ai encore un. T'en as combien, Elru? Ouais, j'en ai plus là. Ah bah alors le compte est bon. Ouf. C'était Sabdam qu'on avait. Ouais, écoute, il était téléporté dans ma main. Ouais, ça peut arriver, c'est un petit bug. Bon, je suis sur la deuxième ligne, hein, Sabdam. Comme je pareil, non, mais je suis sur la deuxième ligne mais de l'autre côté. Moi, je suis parti au fond. Bah, j'enlève pour l'instant, Lodos. Et je fais les 10. Et je suis parti faire les 10 premiers de... en partant de du fond. Oui, mais de quelle ligne? Allume ta lumière, peut-être. Je sais pas si on te voit. Mais elle est allumée. Hein. Donc, on te voit pas du tout, en fait. Leur mode admin, hein, il se cache, il nous surveille. C'est ça. Il nous suit de loin, tu sais. C'est le nouveau mode fantôme. C'est l'œil de Moscou. Je suis l'œil de Moscou. Ah non, l'œil de Mimas. J'espère que c'est pas un admin sadique. Tu vois, il va nous retirer des items, il va nous envoyer des boules de feu. Ah, il nous a retiré des items déjà, tu l'as vu. Oui, c'est vrai. Ah non, moi j'ai rien retiré. J'étais en train de faire ma ligne tranquille. Encore deux. Ah, je peux pas prendre le dernier avec ce cas. Bon, quel dernier? Sur la ligne que t'étais, non? J'en ai encore posé. Non, j'ai rien dit. T'es pas sur la même ligne que moi. Bah. Comment ça? Ah, tu peux pas le prendre, d'accord, j'ai non, vu, je peux pas le poser. J'ai les mains pleines, ouais. Non, si j'étais sur ta ligne. T'as les mains pleines, voilà. T'as les mains pleines, mon petit Lodos. Oh là là. Ah ouais, que dis, hein. Qu'est-ce que tu veux, on fait ce qu'on peut. Hein. Quand on sait pas quoi faire de ses mains, bah on les remplit. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Mes conneries, ça t'avait manqué ma petite piquette? Oh là là. Ah mais tout ça m'avait manqué, ouais, effectivement. Ouais. À vous. Toi aussi tu m'avais manqué, ouais. Mais... Bah vous m'aviez manqué. Mais... Écoute, je travaille beaucoup sur Satisfactory parce que j'arrivais pas à faire marcher comme il faut. J'arrivais pas à faire fonctionner correctement stationnaire, ça m'énervait donc je repartais. Puis je voyais qu'il y avait beaucoup de changements, je dis. Ah non, mais stationnaire, ouais, un petit peu. Je comptais pas faire de mise à jour pendant les vacances. C'est trop compliqué à gérer à distance. Oh. Non, mais pas de soucis. Le Satisfactory, je vais laisser tourner. Il consomme pas grand-chose en ressources. Mais ouais, je suis content. J'ai bien avancé. Même notre ami Sky, il a bien avancé. Là, j'ai vu passer 2-3 screenshots. Là, j'aime bien les tapis roulants d'XK. Je trouve que c'est une bonne pratique. C'est bien droit. Adam m'a dit aligne surtout aligne bien tous les tapis. Mais il a pas dit sur quoi tu les aligner. Mais en tout cas, je sais d'où il les a pris parce que moi, je l'avais vu la vidéo de ce. Moi, je crois qu'il a aligné les tapis sur la rotation. Sur la ligne de gauche. Sur le mouvement de la Terre à travers l'univers. Ça vient d'une vidéo sur YouTube. Oui, je l'avais vu, celui-là, le mec qui a fait un spaghetti. Je l'avais vu, ce spaghetti. Je me suis dit, Sabdam va péter un câble. Je vais lui envoyer ça. Alors, je te jure, tu me fais ça, je démonte tout et je reconstruis pas.
Je vous le dis tout de suite. Attention, si tu fais ça, il fait un warp, zoop. Un zoop sur toute la map. Contrôle F. Sur tout le... T'as pas voulu le prendre, le dernier. Parce que t'as les mains pleines ? Non, bah non, j'avais une main vide. Puis autrement, la vision de mon fils, de comme il avait imaginé, qu'est-ce que t'en penses, monsieur Elru ? Bah c'est très bien, mais j'ai l'impression d'être un peu gros par rapport à Mimas. Mais en fait, non, en fait, il t'est en train de programmer. Oui, il en manque là. Mais je suis assis sur Mimas, mais j'ai. Oui. Mais tu sais, c'est un peu l'interprétation de bah, petit prince. T'as le petit prince, ouais, que ça. Je suis le petit prince de Mimas. T'es le petit prince de Mimas, mais t'es en train de programmer, t'as une tablette dans la main, et ouais, mon fils il fait école de dessin, donc... Pourquoi ils m'ont demandé ça, Sabdam, on n'a pas comment vu ça. Comment? Moi j'ai pas vu ça. Bah il partagera Est-ce que quelqu'un a un jetpack d'allumé? Non. Oui, moi. Non. Tu peux l'arrêter? Moi j'ai un jetpack, oui, c'est arrêté. C'est bizarre, il y a de la convection là. Il peut pas y avoir de convection, il y a pas de, il y a pas de gaz. Un tout petit peu. Ah oui, c'est des millijoules. 160 millijoules, ça va. Peut-être les lampes hein, qui font ça, peut-être. Non, pas la convection. La convection, c'est les échanges gazeux. D'accord. La lampe, ça serait des radiations. Bah, je sais pas moi, radiation et convection, c'est un peu chevauché, donc je vois pas où est quoi, donc. Convection est à gauche, radiation est à droite sur ta d'accord. tablette. Et du coup, avec convection, c'est les millijoules là. C'est vrai que j'avais pas vu le milli qui change tout. Et du coup, au niveau température, ça donne quoi ? Il faut regarder les tuyaux. Moins 57. 27. Je me souviens plus, on arrive à combien dans nos refroidissements? Ça dépend. Là, on est à moins 57,3. Je suis obligé. Ça me semble pas mal. Est-ce qu'on en a combien déjà? J'ai oublié. Un paquet? Un, deux, un paquet. Trois, quatre, cinq, je vais à l'intérieur de la zone Atmo. Je t'avoue que j'ai pas compté quand je les ai retirés. Je vais à l'intérieur de la zone Atmo et je regarde un petit peu les températures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 x 4. 13 x 4, 40, 52. 52. 53, 21. 52, 54. 13 x 4, ça fait pas 91. Non, mais 52. On a 7 de ligne. Oui, mais attends. Non, non. J'étais d'abord 13 x 4 pour avoir le nombre de radiateurs. 52, ça fait 54 x 7. 5 x 7, 35. 4 x 7, 28. 378. Si j'ai pas de conneries. C'est ça. 378. La calculette confirme. Le compte est bon. 378 radiateurs.378 multiplié par 130 divisé par 3000. Bon là. Comment ça? Ah bah dis-toi. je dirais 16 à la louche. Salut Krios. Alors comment votre notre ami Krios. Franco-Belge? Salut Krios. Tu dirais 16 à la louche, moi je dis 9,69. Mais c'est à peu près. Oula. Ouais, c'est parce que tu m'as pas passé le bon calcul. Donc ouais, ça fait. Il faudrait juste une dizaine de large extendable radiator pour faire l'équivalent de tout ce toit là. Donc si on a besoin d'en faire plus, on sait qu'on peut doubler avec une dizaine. Oula. D'accord. Eh bien.
Bon, pour le moment, on le laisse en démo, celui-là. Bah oui. Bah, il sert, hein, de toute façon. Ah là, non, je l'ai fermé parce que la journée, il... Ah. Ok. Il chauffe. La journée, il va chauffer plus qu'il ne refroidit la nuit. Enfin, plus. Bah, il faudrait l'automatiser pour que ça soit efficace. Tu peux régler son orientation en même temps ou pas? Oui, t'as une valeur horizontale que tu peux régler. Il faut juste un capteur. D'accord. Et un capteur de puce et un peu plus. Enfin non, oui, un capteur positionné dans le bon sens pour qu'il soit à 90 degrés du soleil. Et puis un reader, un writer, c'est fini. De quoi? Ou alors un IC, parce qu'on aime bien claquer 30 watts de plus pour rien. Un seul? Tu peux en mettre demi-douzaine. Plusieurs avec. On pourra jouer avec plusieurs avec de la redondance, une communication entre les deux, sur plusieurs bus. Et ben ça va, Krios. Ça va, ma foi. Enfin. On manque un peu d'énergie, je crois. Ça tourne pas là-dedans. C'était reparti quand j'ai été à la serre, j'ai ramassé, j'ai mis le moment pour charger. Et c'est reparti. Bah là, on produit 0 watts. Branche là-bas, puis branche mon téléphone. Ça repasse à 0. Branche là. La production, ouais. Et tu disais, qu'est-ce qui était reparti? On produisait 40 kilowatts tout à l'heure. D'accord. Bah j'étais passé plus tôt, les batteries étaient toutes bleues, hein, toutes chargées. Ouais, sauf la tête de plomb. Mais... Dans ma ville, on est... Ouais, la tête de plomb qui était vide et la batterie de serre, etc., qui commence à se vider. Ah, okay. C'est pour ça que j'ai été vérifié, j'ai ramassé tout le bordel qu'il y avait par terre, j'ai tout mis dans la poubelle et ça a fait de la matière pour faire du charbon. Enfin, du charbon. Mais là, on est vide et il n'y a pas de... Ouais, je pense que la production n'est plus suffisante pour faire suffisamment de charcoal. Peut-être. Et là, on est sur... On ne sait pas ce qu'on consomme particulièrement, en fait, parce que là, c'est juste qu'il peut sortir des batteries, comme elles sont vides, les têtes de plomb. Après, on pourrait peut-être essayer de mettre... j'ai soif, merde. Il aurait peut-être fallu qu'on mette... Quelques stacks de charbon. Quelques stacks de charbon, histoire de faire tampon, attendant que ça arrive, quoi. Ouais, d'autant qu'on a une fusée de minage, maintenant. Yes. Par contre, faut que je boive, mais par contre, faut que j'ouvre mon casque. ça fait suer. Je vais aller où pour aller boire Tu peux ouvrir ton casque dans l'espace hein, pour deux secondes. Ouais. Ben, en fait, avec le lac, j'ai un peu peur de crever, donc je vais aller dans la serre. Moi, je l'ai pas fait. Je vais aller dans la serre. Il fait un peu chaud dans la serre, mais bon. Alors, je regarde les tuyaux, là je suis dans la zone atmo. Ouais. On n'a pas d'oxygène. Oula. On a de l'azote à moins 50 degrés. C'est bien. Et attends, faut que je retrouve le CO2. Le CO2 est à moins 40 degrés. Donc il y a des chances qu'on rafraîchisse beaucoup la serre. Ah, j'ai plus d'eau. Regarde dans le frigo à l'entrée de la base. C'est bon, j'ai trouvé. C'est bon. Juste qu'on arrive à... En fait, il faudrait qu'on produise plus d'oxygène. Ah bah, la serre, on produit de l'oxygène, hein, ça, c'est pas un souci. Bah ouais, mais... quand j'étais passé tout à l'heure, elle était pas à 100 kPa. Et là, notre tank d'oxygène est vide. Donc, il nous manque quelque chose. J'ai pas écouté SK, parce que... Non, je dis qu'on manque d'oxygène, en fait. Ouais. Notre tank d'oxygène est vide et la serre, elle n'est pas entièrement sous pression. Donc, Faudrait respirer un petit peu moins, messieurs, s'il vous plaît. C'est un effort. Et on n'est plus dans l'abondance, hein, faut pas oublier. Oui. Ah si, justement, on a récupéré une fusée. On va l'automatiser pour que qu'elle revienne toute seule. Vu le prix du gaz... On peut plus la faire décoller autant qu'avant. Oh. Bon. On se débrouillera. Je viens juste de percuter en fait. Ouh là là.
Bon, j'ai récupéré 1000 de charbon. Elle fonctionne plus ça, c'est pour rentrer dans la zone Atmo ? SK ? Si, si, il fonctionne. Non, je passe dessus, il fonctionne pas. Ah, peut-être parce que je suis mode fantôme, en fait, il veut pas de moi ? T'as pas de pied. Éteins ton jetpack, peut-être ? Mais je suis pas en jetpack. Toucher le sol. Je suis pas en jetpack, je saute dessus sur les pieds. Bah, bizarre, c'est comme si... Et j'arrive pas à le faire fonctionner. C'est peut-être les IC qui sont ralentis. Et salut non, Quentin. Il marchait, moi, tout à l'heure, j'étais passé, il marchait. Allez. Salut Quentin. Salut Quentin. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont rajouté des bruits au robot. Quand je bouge, quand je me déplace, il y a des espèces de bruits de moteur. Ça, c'est parce qu'on t'a pas fait ta révision. C'est peut-être ça, je grince un peu. Ouais, il faut changer les cardans. Ou mettre un peu d'huile. Ça glisse, ça. Ah bah... Pour le prix d'un cardan, on peut lui remplacer, non? On a besoin encore d'un moment, du petit robot. Yes. Ah, t'as inséré du charbon, là, non? Ouais. Ah non, mais toutes les portes avec les dalles, je peux plus les actionner. Ah bah écoute, c'est marrant, là, ce soir. Sabdam n'existe plus. Ok, un et... fantôme dans l'équipe. A priori, il y avait besoin de charger, parce que là, 75 mégawatts qui... De consommer. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir, et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.